Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne le thème de notre message de ce soir. The theme of the message of tonight est intitulé La foi inébranlement bâtie sur le roc. The faith. Unshakable faith built La on the rock. Foi inébranlement bâtie sur le roc. Unshakable faith built on the rock. La vie chrétienne Christian's life est une vie conditionnée par la foi. Is a life under la faith condition. La vie chrétienne est une vie accompagnée par la foi. Christian life is a life followed by La vie faith. Chrétienne est une vie nourrie par la foi. Christian life is a life fed by faith. Et nous ne pouvons rien faire sans la foi. And we can nothing without faith. Parce que c'est par la foi Because que nous avons cru. It is through faith. Et c'est par la foi que nous sommes retrouvés dans la foi. And it is through faith that we find C'est-à-dire en croyant. It is means that Dieu nous ouvre la porte d'entrée when dans la bergerie. Believe, God open us the gate to et enter quand nous entrons maintenant dans la bergerie, and when we enter, il fait de nous ses enfants. He make us his children. Donc nous voyons par là que la foi est très importante. So we see through that that faith is very la important. Foi est un élément très important, dans la vie chrétienne. In Christian's life. Et ce soir, and tonight, nous allons définir ce que c'est que la foi we're going to define what's faith selon la parole de Dieu. According to the word of Pourquoi God. Nous avons besoin de la foi? Why do we need faith? Et une foi qui doit être inébranlable and an unshakable faith. Face à toute situation. Face to any situation, face à toute circonstance, face to any circumstance, et qui doit être bâti sur le roc. Et quand nous parlons du roc, when we are talking about rock, nous parlons de cette pierre inébranlable. We are talking about that unshakable stone. Nous parlons de cette pierre solide. We are talking about that solid stone. Nous parlons de cette pierre we are talking about that stone qui n'est pas ébranlable. That cannot be shaked. Donc chacun doit bâtir sa foi so, sur cette pierre. He should build his faith on that stone. Et nous allons voir celui qui représente cette pierre pendant cet enseignement. We'll see the one who represents that stone through this nous allons teaching. Aussi connaître les éléments qui nourrissent la foi et qui grandissent la foi. Elements that feed faith and make faith grow. Nous allons aussi voir les exigences de la foi. Of faith. Quand tu crois en Jésus, when you believe in ce Jesus, que la foi exige, what faith asks ta you, croyance doit your, exiger certaines choses your faith que tu dois observer parce que tu crois en Dieu. Has some things to observe because you believe in Jesus. On ne peut pas croire seulement pour croire, mais cannot, on croit parce qu'on a connu Christ. We cannot just believe, but we believe because we know Christ. Après aussi, nous allons voir that, les choses qui font naufrage à la foi. Things that drown faith. Parce qu'il y a beaucoup de choses Because qui font naufrage à la foi des enfants de Dieu, qui détruisent leur foi, qui perturbent leur foi et qui les empêchent de grandir et d'être matures. That disturb their faith and prevent them to grow. Et après, nous allons aussi voir and comment that, bâtir une foi solide sur le roc. How to build a solid faith on the rock. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? What is faith? Nous allons prendre le livre de Hébreux 11. Let's take the book of Hebrews. Hébreux 11, à partir du premier verset. From the first verse. Hébreux 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Pour l'avoir possédé. Amen. La définition de la foi the se trouve bien dans ce verset. Is well in this verse. Il dit la foi est une ferme
assurance des choses qu'on espère. Faith is confidence in what we hope for. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. And insurance about what we do not see. Donc la foi crée déjà une assurance en nous. So faith creates insurance in us. La foi se base sur l'assurance de quelque chose qu'on veut obtenir de la part de Dieu. Faith is based on insurance about something we want to take from God. De quelque chose qu'on veut avoir de la part du Seigneur. On something we want to take from God. Et c'est pourquoi la Bible dit que Christ est le consommateur de notre foi. Nous lui rendons la foi et en retour, lui, il nous rend les choses que la foi doit produire en nous. We see where the Bible says that Christ is the consumer of our faith. We give him faith and in return, he gives us what faith should obtain. Et la foi produit en nous l'espérance. And faith produces in us hope. C'est-à-dire, nous croyons en ce que nous n'avons pas encore vu, mais qui est sur le point de se manifester. This means that we believe on what we didn't see and that is on a point to be manifested. Et nous savons que cela va se manifester parce que celui en qui nous croyons nous a fait promesse de l'accomplir. We know that that will be manifested because the one in whom we believe promised us to fulfill it. C'est pourquoi il dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Demonstration of what we don't see. Et Jésus même nous a donné plusieurs paraboles pour démontrer la foi, pour montrer les dimensions de la foi. To show dimension of faith. Et c'est pourquoi j'ai dit que la foi est un élément fondamental dans la vie chrétienne. Is an important element in Christian's life. Sans la foi, nous ne pouvons pas nous retrouver ici. Without faith, we cannot find ourselves here. Sans la foi, il n'y aura pas d'assemblée. Without faith, there will not be assembly. Sans la foi, il n'y aura pas d'église. There will not be church. Sans la foi, tout ce que nous faisons ici Without sera faith, vain. All we are doing here will be vain. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que notre foi soit solidement bâtie. Do all our possible to build a solid faith. Alléluia. Nous allons encore prendre un autre verset. Let's take another verse. La parabole de Luc 17. The parable of Luke 17. Luc 17, le verset 5. Luke 17, verse 5. Luc 17, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Oui. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Il dit, Seigneur, augmente notre foi. Lord, increase our faith. Seigneur, augmente-nous la foi. Lord, increase our faith. C'est comme ça beaucoup d'entre nous se posent la question. It is like that many ask C'est comme ça beaucoup question. D'entre nous posent la question à many. Dieu. Many ask that question Seigneur, to God. Lord, comment je vais faire pour que ma foi grandisse? How can I do for my faith be increased? Je prie, mais je n'ai pas les ossements à mes prières. But I don't have fulfilled je pose des actes, mais je ne vois jamais l'accomplissement de ces actes. I don't see fulfilled je demande des acts. Choses à Dieu, mais je ne vois jamais God, ces choses se manifester dans ma vie. I never see this thing manifested in my Seigneur, life. Qu'est-ce qui arrive réellement? Lord, what is happening really? Qu'est-ce qui se passe réellement? What is really happening? Qu'est-ce qui est la base What is on the base du non-accomplissement of de mes des promesses que tu m'as faites. Et ça arrive and it arrives. Parfois même où Dieu te fait des promesses Sometimes God makes you promise. Et au début, tu donnes and la foi. In the beginning, you tu as la foi. You have faith. Tu dis, je crois à ça. You say, I believe in parce that. Que c'est sorti de la bouche Because du Seigneur lui-même. Goes out from parce qu'il a dit qu'il Because me fera ceci. He said that il a dit he will do qu'il me fera this, cela. He will do that to me. Mais au fil du temps, But when tu ne vois going, pas les choses que le Seigneur t'a promis s'accomplir. Or, c'est pas la foi que ces choses viennent à l'accomplissement. But it is by faith those things fulfill. Parce que quand tu ne crois pas, cela Because devient nul. When you believe not, it become no, nul. La foi est comme un support qui retient la bénédiction de Dieu ou les ossements
de nos demandes ou de nos prières ou des promesses de Dieu dans notre vie. Faith is like support that sustain promises of God in our lives. Et les disciples ont vu tout ce que Jésus a fait. And disciples see all Jesus did. Ils ont vu la vie de Jésus. They saw Jesus. Ils ont vu le ministère de Jésus. They saw Jesus. Ils ont vu les prodiges qui accompagnaient les actes de Jésus. Ils ont vu la puissance qui se manifestait dans le ministère de Jésus. Et ces choses les ont tellement impactées au point où ils se demandaient, est-ce nous qui n'avions pas la foi? We do not have faith. Si lui est un homme comme nous, if he is a man like et qu'il a pu accomplir toutes ces choses, and he fulfill all those things, donc cela montre que nous avons besoin de la foi. We need faith. Parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau qu'il a atteint. We don't arrive on that level. Donc, beaucoup de ces questions nourrissaient Many la pensée those questions des disciples en ce moment. Are our disciples first. Et beaucoup d'entre vous, vous vous posez cette and question. Many of you ask yourself Mais those Seigneur, questions. Qu'est-ce qui arrive Lord, avec ma vie? What is happening with my life? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ou bien do c'est moi qui manque de foi? Do I lack faith? Le Seigneur t'a dit dans telle période je te ferai ceci. This period, I'll do this to you. Et premièrement tu as cru. And firstly, you believe. Et un mois, deux mois, month, les temps month, se sont passés. Times, et le temps que Dieu a fixé aussi est passé. God fees also pass. Selon ton entendement et tu dis According Seigneur, qu'est-ce qui say, arrive? Lord, what is qu'est-ce qui se passe? What is happening? Seigneur, Lord, augmente ma foi. Increase my faith. Cette question est le résultat de plusieurs analyses que les disciples, les apôtres ont fait, de plusieurs réflexions. Of many analyzed disciples and apostles. Parce que celui qui dit augmente ma foi est celui qui est en manque de foi. Celui qui n'a pas la foi et qui réclame qu'on puisse lui donner. Be given. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? What the Lord says. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, oui, comme un grain de sénévé, oui, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, oui, et il vous obéirait. Qui de vous, attends, si vous avez de la foi, if you have faith, vous avez de la foi you comme ce grain de sénévé. Like une foi qui est comparée à un grain de sénévé. C'est un petit seed. Grain. It is a si seulement seed. Tu as la foi if comme ce grain, like tu peux seed, déplacer les montagnes. You can displace mountains. Et cette réponse du Seigneur and vient answer of the Lord comes pour confirmer la définition de Hébreux 11. To confirm definition qu'il of dit Hebrew la foi 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une assurance et des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc si tu ne sais pas que cela peut arriver ou que cela doit forcément arriver et que tu ne crois pas avec certitude ce que tu demandes ou ce que tu veux ne viendra jamais en accomplissement. Donc le Seigneur veut quoi? Il veut que notre foi ne change pas avec les circonstances. Il y a certaines personnes leur foi change avec les circonstances. With circumstances. Aujourd'hui, today, leur foi est à un niveau their faith is on et demain, level. Au lieu que la foi augmente, and in spite of the fact the faith leur foi redescend jusqu'au niveau, au plus bas niveau. Decrease on the pourquoi? Parce qu'ils level. Voient que les circonstances because viennent pour aller contre leur foi, aller contre les événements de leur vie et changer le cours de leur histoire. Mais en réalité, c'est reality, Dieu qui permet ces situations, qui permet que ces choses arrivent, pas pour éteindre votre foi, pas pour diminuer la quantité de foi que vous avez, mais pour rendre votre foi solide, pour rendre votre foi inébranlable, pour que votre foi tienne toujours for sur le roc. Qui a de la foi ici? Who have faith here? Qui a de la foi ou bien qui who veut que le faith, Seigneur lui faith, augmente faith sa foi? Who want the Lord increase his faith? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Clap the Lord Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Clap the Lord Jesus. Donc,
Le Seigneur dit, si vous avez de la foi, comme le grain de sénévé, alors vous pouvez déplacer les montagnes. Cela voudra dire, il suffit juste une petite portion. Et la réponse du Seigneur est faite pour montrer à ses disciples que la foi, ce n'est pas ce que vous pensez. Les disciples disent, Seigneur, augmente notre foi. Mais ils ne savent pas qu'ils ont déjà la petite portion qu'ils doivent avoir pour que la foi amène à l'existence les choses qui n'existent pas dans leur vie. Pour les disciples, pour eux, ils se disent, nous n'avons pas la foi. Ou du moins, la foi que nous avons n'est pas encore, la quantité n'est pas encore bonne pour accomplir les choses que nous voulons. La foi que nous avons ne peut rien produire. C'est une petite foi. Donc, Seigneur, augmente. Je veux avoir une grande foi. Mais Jésus dit quoi? But Jesus tell what? Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Donc le Seigneur est en train de dire là que le plus important, ce n'est pas forcément avoir une grande foi ou se prétendre avoir une foi tellement aussi grande et qui ne produit rien. Il faut que nous ayons une foi petite seulement. Et que tout ce que nous demandons sera manifeste pour nous. Et ce petit grain de sénévé est en train de symboliser la simplicité du Seigneur Jésus. Notre foi doit se reposer sur les choses simples. Une foi simple. La simplicité comme le Seigneur lui-même. Like the Lord. Si nous croyons que nous avons la foi if plus que tout le monde, that we have faith more than everybody, et que notre foi and our faith, dans notre pensée, parce que la foi se produit dans le cœur et dans la pensée de l'homme, nous croyons que nous avons la foi, we see that we have faith, cela peut se traduire par l'orgueil. That can be showed by proud. Lorsque cette foi n'est pas bâtie if sur le vrai fondement ou sur le fondement solide. On the good, on the solid foundation. Et cela arrive à beaucoup de chrétiens. And that happened to many Christians. Nous venons à l'église, we come to church. Ils viennent, ils chantent, they ils font come, tout. They sing, they do everything. Et ils pensent déjà qu'ils sont arrivés. They think that they arrive, yes. Ils pensent déjà qu'ils sont au sommet. They think that they are on oh, la foi a ses dimensions. On the high hill. La foi a ses niveaux. But faith has et parce qu'ils pensent level. Qu'ils sont déjà arrivés they think that they et qu'ils manifestent yet, déjà une grande foi, manifesting a great faith, ils ne peuvent pas obtenir les they choses qu'ils veulent. Things they want. Même les petites choses, ils ne peuvent pas les obtenir. Even small things they cannot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? So what to chez do? Dieu, il faut considérer toujours que nous avons la foi. To God, we should consider that we have faith. Et cette foi dont le Seigneur veut, and that faith the Lord wants, c'est la foi comme le grain de sénévé. It's faith that mustard seed. Comme un enfant. Like a child. Un enfant, quand on lui dit, a child when we tell him, je vais te donner ceci, I'm going to give you this, avec son petit cœur, with his small heart, il croit que cela lui sera donné. That will be given. Et il ne réfléchit pas trop. And he think not about, il a une petite foi, he have a small faith, mais il voit les fruits que produit cette foi en lui. That faith produce in him. Mais une grande personne but a big va commencer par réfléchir autour de cette foi. That faith. Est-ce que j'aurai cela? Will I have that? Et si je n'avais pas cela, if I don't have qu'est-ce qui va arriver? What will happen? Je vais prévoir des choses. I will reserve things. Pour m'en sortir lorsque je n'aurai pas ce qu'on me demande, ce que le Seigneur m'a promis. What the Lord promised me. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Donc les disciples croyaient qu'ils n'avaient pas la foi. Believe that they have not faith. Et ils demandent une foi plus grande. And they were asking a great mais le Seigneur faith. Est en train de montrer que but c'est une petite foi qui produit les choses it les plus grandes dans notre vie. Great thing in our lives. Donc vous devez demander au Seigneur so de vous donner une foi to give you a faith. Comme le petit grain de sénévé. Like
the small mustard seed. Cette foi qui fait déplacer les montagnes. That displaces mountains. C'est dans l'accomplissement. It is in fulfilled. C'est dans la démonstration, c'est dans la manifestation qu'on connaît le sens de la foi et le type de foi que nous avons. The sense of the kind of faith we have. Et c'est dans les manifestations qu'on sait réellement si on avait la foi really ou si on n'avait pas la foi. That we have faith or not. Nous ne devons pas croire que nous avons la foi pendant que nous n'avons pas la foi. We have faith when we have not. Et nous devons croire que nous avons la foi pendant que le monde ou les hommes nous font croire que nous n'avons pas that la foi. We have faith when world or person show us that we don't la have foi faith. Est une démonstration faith des choses qu'on ne voit pas. Of things we don't see. Est une assurance des choses qu'on espère, la manifestation des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors le Seigneur m'a dit, en telle année, je te ferai ceci, je te donnerai ceci. Seigneur, je crois que cela arrivera. Et c'est fini. Seigneur, je crois, comme Lord, un enfant, puisque c'est toi qui l'as dit, je crois que tu me feras cela. Who said, I believe that you will do it. Mais il y a certaines personnes, but there are some persons, ils croient, they believe, Seigneur, tu le feras. Lord, you will do. Mais ils ont les éléments de contour they have some pour contourner le Seigneur, pour contourner Dieu et pour se préparer eux-mêmes à la situation. To prepare themselves to the situation. De sorte que lorsque cela n'arrive pas, when that ils puissent s'en sortir par eux-mêmes, leur propre force. They will arrive by themselves. Et c'est là le Seigneur voit que tu prétends avoir une grande foi, mais tu as une petite foi. It is like that, the Lord said that you feel et cette that petite you foi que tu as ne peut rien amener à la perfection, ne peut rien accomplir dans ta vie. Cannot fulfill anything in your life. La foi inébranlablement partie sur le roc. Built on the rock. Répète à ton frère, la foi inébranlablement partie sur le roc. Dis-lui que tu dois avoir la foi. Tell him that you should have faith. Tu dois avoir la foi inébranlable. Unshakable faith. Demande-lui sur qui es-tu bâti. On whom are you built? Quel est ton fondement? What is your foundation? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Clap the Lord Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons voir les éléments. We're going to see elements. Les éléments qui grandissent la foi. That make grow our faith. Les éléments qui font que notre foi grandisse. Elements that make our faith grow. Premièrement, nous avons la parole de Dieu. We have the word of God. La parole de Dieu. The word of God. Dans Romains 10, le verset 17. In Romans 10, verse 17. Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Mm-hmm. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what we hear. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. And what we hear comes from the word of Christ. Ce qu'on entend vient de qui? The de la parole de Christ. From the word of Christ. Là, nous comprenons que d'abord, Jésus lui-même est celui qui a mis sur pied la foi. There we understand that Jesus himself puts faith. C'est parce qu'il est venu que nous croyons. It is because he come that we c'est believe. Parce qu'il est mort que it's nous croyons. That he died that we believe. C'est parce qu'il a été crucifié que nous croyons. He was crucified that we et believe. C'est aussi parce qu'il est ressuscité que nous croyons. He resurrected that we believe. Donc, il est l'investigateur so de la foi. C'est lui qui a posé les premiers fondements de la foi pour que nous croyons. Us to believe. Et la Bible dit que Bible says la foi vient de ce qu'on entend. Comes from what we hear. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comes from Christ's word. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes from what we hear. Donc la parole de Dieu so contribue à grandir notre foi. To make
grow our faith. Celui qui passe le temps dans la parole. The one who spend time in the word. Il passe son temps à écouter la parole de Dieu. Time to listen the word of il God. Passe son temps à être instruit dans la parole to de Dieu. In the word of God. Il passe son temps dans l'enseignement de la parole de Dieu. In the teaching of the word il of passe God. Son temps dans la lecture profonde de la parole de Dieu. In the reading of the word of God. Va commencer à avoir une foi he plus profonde. Having a deep faith. Ce ne sera plus une foi qui est seulement attachée à ce qu'on veut recevoir ou ce qu'on veut avoir, comme on a vu précédemment. Ce type de foi n'est pas la foi qui forcément veut voir quelque chose s'accomplir, quelque chose se manifester de manière visible. Pourquoi? Why? Non, mais c'est une foi qui s'enracine. C'est une foi qui commence à s'enraciner, à se positionner et à se poser sur quoi? Sur la parole de Dieu. On the word of God. C'est pourquoi ce que tu entends, là, tu dois faire attention à ça. You should pay attention to that. Ce que tu entends dans tes what oreilles, you tu dois faire attention. Ears, you should pay attention. La dernière fois, quand nous avons vu when we saw comment vaincre la chair et ses désirs, nous avons parlé sur les sens. Les sens de l'homme. Et les sens que le diable manipule. And senses that the et dans ces sens, manipulates. Il y a le and on that sense, il y a l'ouïe qui se trouve dans ces sens. Hearing, l'entendement. Listen, ce à quoi tu prêtes oreille. What you listen, ce que tu entends what you listen est le résultat de ce que tu fais. Result of what you do. Si tu entends les paroles de Christ, you hear, you like hearing, Christ sera bâti en toi. Christ, will be built Christ sera totalement you. Fondé en Christ toi. Totally et désormais, tout ce que tu feras, on you and tu ne le feras plus pour toi ni par toi, mais tu feras désormais toutes choses par Christ et pour Christ. For yourself, for yourself, but you will do it. By Christ and for Christ. Pourquoi on nous dit d'écouter, de lire la parole de why Dieu, d'écouter les enseignements bibliques? Pourquoi? Parce que lorsque nous entendons ce que nous recevons, what we receive, ce qui entre dans nos oreilles, what enter our ears, change directement nos pensées change directly ou our conditionne thoughts, nos pensées. Or make under condition ce our que nous faith, entendons our thoughts, ou ce que nous recevons what we receive, or sont what le we hear, résultat de ce que nous sommes ou de ce que nous have, faisons. What we are doing. Donc, si tu veux vraiment avoir une bonne base if you want to have a good dans la foi, base faith, il faut que la parole de Dieu the word ne of s'éloigne God point de toi. Should not be far from le you. Jour où la parole de Dieu when the va word commencer of God à s'éloigner de toi, will be far from you, ou le jour où tu vas commencer à abandonner la parole, you will start forsaking the word of God, à ne plus venir au moment d'enseignement. Not come to teaching moments, quand on dit la Bible, when they say c'est Bible, la nonchalance. Quand on dit la Bible, tu ne veux plus entendre parler Bible, de ça. Quand on dit la Bible, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui ne veut pas. Il faut savoir que ta foi quitte le haut et descend. Descend et tombe. Et finalement, tu vas te retrouver ne plus tailler d'importance à cette parole. Cette même parole qui au départ produisait en toi une grande joie. Cette même parole qui produisait en toi une joie ineffable, une joie terrible. Et quand tu prends juste une parole des Écritures, tu t'attaches à cette parole et tu veux réellement, comme si tu veux manger cette parole, tu veux entrer dans cette parole, tu veux expérimenter cette parole, et qu'aujourd'hui tu ne vois plus ces choses. Il faut savoir que les bases de ta foi sont en train d'être détruites. Et tu dois commencer à te poser la question. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe réellement? La parole est un élément qui conditionne nos actes. The word is an element that makes under condition our acts. Quelle parole tu entends? Which word do you hear? À quelle parole tu prêtes oreille? To which word do you listen? À la médisance? To slander? À la calomnie? To slandering? Est-ce que c'est à ces paroles que toi tu prêtes oreille? Words you listen? Si c'est à ces paroles que tu prêtes oreille, if it is about those words you listen, là tu vas devenir un calomniateur ou become the one who un homme médisant. Or the one, yes, who gossip.
Mais si tu prêtes oreille à la parole de Dieu, God, ou si tes regards sont toujours dans la parole de Dieu, fixés sur Christ, c'est les éléments de Christ qui seront profondément bâtis en toi. C'est pourquoi le Seigneur a permis dans Ephésiens 4:11 pour qu'il y ait les ministères, les différents ministères dans son église, pour bâtir notre foi, pour bâtir votre foi, pour que vous ne soyez plus flottant, pour que quelqu'un n'apporte plus la philosophie. Chacun va amener sa philosophie et il va te présenter. Mais parce que tu n'avais pas déjà une base solide sur la parole, tu vas commencer à te nourrir de cette philosophie. C'est pourquoi vous devez faire attention aux documents que vous lisez, aux livres que vous lisez. Du jour au lendemain, tu prends un livre, tu commences à lire. Ton âme va commencer à s'attacher à ce livre. Et finalement, tu vas commencer à aimer ces paroles. Même si ces paroles sont des paroles mauvaises, du moment où tu as déjà pris ton temps pour méditer ces paroles, ces paroles vont te pénétrer et feront de toi un autre homme. Another man. C'est comme ça plusieurs quittent la foi. It is like that many quit faith. C'est comme ça plusieurs qui ont commencé par grandir avec Jésus. Ils ont commencé par grandir dans leur foi, dans leur marche, in their walking, et par la parole de Dieu, and by the word et of parce God, qu'ils ont prêté oreille à une autre parole, but they listen another à une autre word, semence, another seed, en même temps, at the same moment, leur foi a commencé par their descendre. Faith becoming low. Et aujourd'hui, ils ne and croient today, plus à rien. They believe not. Donc tu dois avoir une foi so solidement bâtie dans la parole de Dieu, dans la lecture, God, dans la méditation et aussi dans l'enseignement de la parole donnée par les ministres de Dieu. Given by servants of God. Et c'est des choses qui nourrissent l'esprit, that are feeding the spirit, qui grandissent l'esprit. That grow the spirit. Parce qu'au début, lorsque tu as accepté Jésus, in the beginning, when you accepted tu es comme Jesus, à l'étape primaire. You were in the primary step. Tu ne connaissais rien. You knew nothing. Et c'est la parole qui doit maintenant te donner les bases. Will give les bases. The basis. Et c'est ce que plusieurs ne comprennent pas. What many believe not. Il y a certaines personnes, ils ont la foi. Many persons, they have faith. Mais c'est une foi qui n'a pas de fondement. But it's a faith without foundation. Une foi qui n'a pas a de fondement solide. Without solid foundation. Ils ont une foi, la foi sur les miracles. They have faith. Ils ont la foi, on ice. La foi sur ce they que Dieu peut leur donner, on what God can give sur ce them. Que Dieu peut leur accorder. On what God can give them. Mais au départ, ils but n'ont pas eu la foi en Dieu lui-même. They don't have faith in God himself. Celui qui n'a pas la foi en the Dieu lui-même faith not in et God, qui court seulement derrière les miracles, and running il va obtenir les miracles, miracle, mais les miracles vont le conduire à la perdition. They will drag him to mais celui qui a la foi en Dieu God, et qui a mis sa foi uniquement sur Dieu lui-même his faith on God only, aura une base solide he will have a solid et base. Il aura aussi and tous les bienfaits que Dieu accorde à tous ceux qui ont la foi. God give to the one who les miracles, il aura. Miracles il aura have. Toutes choses, have mais everything. Sa base, c'est but toujours his Dieu. Base is always Jesus. Donc il faut que votre foi soit bâtie so dans la parole de Dieu. Be built in the word of God. C'est la parole de Dieu qui est claire. It is the word of God that lies. C'est elle qui va enlever the word le of God le trouble que vous avez en vous. The dig you have in you. C'est la parole de Dieu qui va vous sanctifier. The word of God will sanctify c'est you. La parole de Dieu lorsque the vous venez God, nouvellement en Jésus. Come newly c'est la parole de Jesus, Dieu qui constitue l'eau qui the va word vous laver. Of God is that water that will wash you. C'est elle qui va enlever les mauvaises semences que vous avez reçues lorsque vous étiez dans le monde. You receive when you were in the c'est world. La parole de Dieu qui viendra maintenant the vous conditionner. Qui viendra vous diriger. To direct you, to counsel you. C'est pourquoi David dit que la parole is de Dieu David said est that une the word lampe of God is like a lamp à ses pieds, on his feet, est une lumière sur son sentier. Light on his la parole de Dieu nous conduit dans les ténèbres, même dans les ténèbres.
even in même lorsque nous sommes dans les ténèbres, la parole constitue une lumière qui nous indique le chemin à suivre pour réellement atteindre le but. To really attend the goal. Mais si toi, but if you, ta foi n'a pas été bâtie sur la parole, is not built on the et que tu t'es retrouvé seulement dans l'assemblée des saints, cela est très grave pour toi. That is very bad. D'abord, for you. C'est grave pour ta sécurité spirituelle. Spiritual security. C'est aussi grave pour ton accroissement dans la foi. In faith. Et aussi cela t'expose and that also expose you à tout ce qui viendra devant dans la marche chrétienne pour t'éprouver dans la foi. Before in your walking in faith. To prove parce you. Que tu n'as pas une base solide. Because you have not solid tu ne connais faith. Rien sur Jésus. You know nothing about Jesus. Parce que ton père croit en Jésus. Because your father believe in tes Jesus. Parents croient en Jésus. Your ton mari ou ta femme Jesus. Croit en Jésus. Your husband or your wife believe in et Jesus. Tu entends parler de Jésus seulement. Donc si tu suis la foule, Jesus, tu suis la masse yourself, et tu crois en Jésus, tu vas à l'église. And you go to si church. Tu as une foi if you have faith, qui suit les autres, that follow il faut faire others, attention. Pay attention. Et il faut retourner à la base. And return si la base a été ratée, base, il faut que tu retournes lacked, pour reconstruire, pour que le fondement soit bien posé. The foundation be really put. Est-ce que vous savez qu'une maison sans fondement a house without foundation n'est rien? Is nothing. Une maison sans fondement n'a aucune valeur. Without foundation is même useless. Si la maison est jolie, even même si la maison est belle, et je vais me demander même, est-ce and qu'une maison peut myself, être bâtie sans un fondement? Can a house be built without foundation? Jamais. Never. Cela va de même pour la foi, that is the same like pour la vie chrétienne. And for sans le life, solide fondement, without solid foundation, qui est la parole de Dieu, that is the word of God, vous ne pouvez pas grandir. You cannot grow. Tu montes, tu descends. You increase, tu montes, you tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Et tu ne évolues jamais. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai été réellement scellé par la parole? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui t'intéresse? Was I sealed by the word of God? Is the word of God interesting you? Ou bien toi, ton objectif c'est autre chose? Or your purpose is another thing. Lisez-moi Matthieu 7. Matthew 7. Matthieu 7, verset 24. Verse 24. Matthieu 7, verset 24. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il dit, c'est pourquoi therefore, quiconque entend ces paroles que je dis who this word et qui les met en pratique and put sera semblable à un homme like prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les paroles de Jésus. Words of Jesus. Les paroles que Jésus a dites. Jesus words. Il faut que tu sois attentif. You should be attentive. La base est posée. The base is put it. Mais la parole but ne sera pas exclue dans la construction de la maison. La parole ne doit pas être exclue dans la construction de la maison. Yes, the word will not be involved in the foundation of the house. Tu as cru par la parole. You believe through mais the il faut word. Que les paroles de Jésus Jesus words entrent maintenant en toi. Il faut que tu sois connecté aux paroles de Jésus pour grandir. Lorsque tu vas te détacher des paroles de Jésus, en même temps, tu te détaches du fondement. You unlock yourself from the foundation. C'est comme les racines d'un arbre. Like, lorsque les racines sont détruites, l'arbre n'a plus sa valeur. The tree has not its l'arbre value. Meurt. The tree dies. Mais lorsque les racines sont toujours là, when roots are always l'arbre present, a la possibilité de renaître et de pousser. To renew again. Donc celui qui a mis sa foi so the one who puts en la parole in the words, va voir sa vie chrétienne will see his Christian's de jour en jour grandir, daily, grandir, growing, grandir, grandir, growing, grandir. Et c'est growing. Ainsi qu'il sera and un homme like mature become dans la foi. An old man in faith. Alléluia.
les éléments qui font grandir notre foi. That make grow our faith. Nous avons vu d'abord la parole de Dieu. The word of God, firstly. Et nous voyons maintenant la prière. We're going to see prayer. La prière. Prayer. La prière constitue le moyen de communication entre le croyant et le Seigneur. Prayer is the means of communication between the believer and the Lord. Quand tu crois en Jésus, when you believe in tu Jesus, crois en la parole, you believe in the word, pour entendre de jour en jour les paroles de Jésus, to hear always the word of God, il faut que tu communiques avec Jésus. You should communicate with Jesus. Il faut que tu parles avec you Jésus, speak n'est-ce pas? With Jesus, isn't it? Jésus s'est révélé Jesus à nous. Revealed him to us. Et il s'est aussi révélé par sa parole him through his word, que nous lisons that we read, et qui nous sert de témoignage. That serve testimony. Mais Jésus se révèle aujourd'hui parce qu'il est la parole. Today because he's the word. Et la parole est esprit. And the word is spirit. Donc, pour avoir toujours les paroles de Jésus avec nous, so il faut que nous communiquons avec Jésus. Have Jesus with us, we should il faut que le Jesus. Dialogue entre nous et Jésus soit toujours là. The dialogue with us, between us with Jesus should always be present. C'est parce que certaines personnes ont perdu le dialogue It's avec Jésus. Many lost dialogue with qu'ils Jesus. Ont perdu la suite de leur vie. Ils ont perdu le sens de leur vie. They ils ont perdu leur histoire. Their life. They lose their history. Ils ne savent plus où poser les pieds. And they know not where to place their feet. Ils ne parlent plus avec Jésus. They speak not with Jesus. Et il a oublié tout. And he forget il all. A oublié le contrat que Jésus a fait avec lui. The au début de sa foi. Jesus did with it at the il a oublié of his les faith. Paroles qui ont constitué le fondement de sa foi. Foundation of his faith. Maintenant, comment il peut continuer? Now, how can she arrivé continue? À un moment, il at n'entend plus rien. He hear not nothing. Alors, inutile de continuer le chemin. So useless to continue parce the que way. Jésus n'est plus là. Because Jesus is not, no longer there. Jésus, lui, il est là. Jesus is present. Mais il veut que tu lui adresses But la parole. Wants you to talk to him. Il veut que tu lui parles he wants you to pour talk qu'il réponde. To answer pourquoi you. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. And I will answer you. Mais si tu ne l'invoques pas, if you call him not, il sera là, il va te he voir. Will be there seeing you. Si tu ne lui parles pas, if you speak not to il him, ne peut pas te répondre. He cannot answer you. Donc la foi constitue, so la prière plutôt, constitue un élément très important, an important element pour faire grandir notre foi. To make our faith grow. C'est par la prière que It notre esprit prayer that our spirit écoute les instructions de Dieu, listen instructions from God, reçoit de Dieu receive from God, et peut continuer dans la and marche. Can continue on the walking. Si tu as arrêté de prier if you stop praying, parce que tes problèmes sont devenus because trop your problems are many, tu as arrêté de prier you stop praying, parce que tu as trop de problèmes because you can't make parce que problems, tu ne peux plus supporter because you cannot support, alors tu es en train de te détruire you are destroying yourself. Ce n'est pas parce que it is not because tu souffres que tu ne vas pas prier you are suffering that you won't ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu ne dois pas prier you are going hard moment that you ce n'est pas pray. Lorsque tu es faible que tu it's dois cesser de prier. You are weak that you will cease praying. Mais c'est lorsque tu es but faible. It's when you are weak. C'est en ce moment que tu in dois le plus prier. In that time you should pray more. C'est en ce moment que tu dois le plus it's crier in that à Dieu. You should cry to God. C'est God. En ce moment que tu dois demander le secours. It's in that you should ask help. C'est en ce moment que tu dois développer davantage ta communication avec Dieu, you ta communion avec Dieu. Develop your communion communication with God. Si tu arrêtes, if you stop, Dieu aussi va arrêter. God himself will stop. Le silence va s'introduire. Silence will take in place. Et finalement, and finally, la chair va commencer à te parler. The flesh will start talking parce que to Dieu you. N'est plus là. Because God la chair is va no commencer longer à te parler. Present. Le monde va commencer à t'instruire. World will start instructing you. Tes yeux vont commencer your à te parler. Eyes will start talking to you. Les yeux vont commencer à te diriger. Your eyes will start directing vers ce que you tu vois. Toward what you see. Et ainsi, l'amour du monde va and commencer like that, à s'introduire world en toi. Love will be introducing in you. Et ces choses viendront pour and those détruire things will ta come foi. To destroy your faith.
Beaucoup sont ici et vivent cette situation. Many are here and are living that situation. Mais après cet enseignement, Dieu va But vous délivrer. After this teaching, God will deliver et tu dois you. Crier à Jésus. And you should cry Seigneur, Jesus. Libère-moi. Lord, set me Seigneur, free. Délivre-moi. Lord, deliver me. Ce qui crée What creates l'apostasie dans ma vie. Doubts in ce my qui life. Crée l'apostasie What create doubts in dans my mon cœur. Ce qui crée l'apostasie What create doubts dans mon service pour in Dieu. My service ce to qui God. Crée l'apostasie dans mon ministère. Doubts in my ministry. Seigneur, déracine-le. Pour que them, je puisse continuer. For I can continue. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 7, 17. Thessalonians, il dit, priez sans cesse. Pray without cease. Il sait pourquoi il a dit ça. He knows why he tells Priez that. Sans cesse. Pray without cease. Et nous ne sommes même pas arrivés à ce niveau. And we arrive not yet on that Priez level. Priez sans cesse. Pray without cease. Partout tu dois prier. Whenever you Ton should, esprit doit être your en prière. Should be Ton in esprit prayer. Doit être en communication your avec Dieu. Will be in communication with God. Priez sans cesse qu'il est en train de dire. Praying without cease n'est pas seulement means parler à haute voix ou crier, ce n'est même pas ça. Allowed to pray, no. Parce que nous avons des activités. Because we have nous activities. Avons beaucoup de choses que nous faisons. Mais prier sans cesse dans ce sens est en train de nous amener means that à être en esprit à tout moment. To be in spirit Notre esprit every time. Doit être connecté à Dieu à tout moment. To God every time. C'est-à-dire, communiquez-vous that, avec Dieu en toutes circonstances to et à tout moment. In any circumstances and in any il faut time. Que le fil conducteur entre toi et Dieu ne soit jamais coupé. The driving file should not never be cut. Il faut que tu parles tous les jours avec ton Dieu. With God. Ne te lasse pas. Never ne cesse tyrant. Pas. Parle-lui. Demande Continue to talk. La parole est là pour te servir de base. To be a base to you. La parole est là pour te the mettre sur le chemin. To put you on the way. La parole est là the pour te permettre de croire to permit you to et d'avoir une foi bien and bâtie. To have a good faith. Maintenant, la vie continue. Now life continue. Il faut maintenant ajouter à la parole you de Dieu la communication avec le Dieu qui n'est pas irréel mais qui est réel et qui existe réellement. You should add to that faith communication to the real God. Dieu est dans sa parole. God is in his word. Et il nous a donné une portion and de sa parole que nous avons qui est la Bible. That we have, that is the mais Bible. Dieu aussi est esprit. But God also is spirit. Et pour parler avec Dieu, and il faut que nous soyons God, des esprits. We should be spirits. Alléluia. Praise the Lord. C'est pourquoi nous sommes des Reason esprits. Why we are spirits. Nous les chrétiens, nous sommes we des esprits. Christians, we are spirits. Certaines personnes peuvent être Some choquées, mais nous sommes des can esprits. Be shocked. But we are spirits. Et c'est parce que nous sommes des esprits Because we are spirits, que Dieu, qui est esprit, that God who is spirit, veut communiquer avec nous. Communicate with us. Parce que Dieu ne parle pas à la chair. Because God talk not to the flesh. Dieu parle seulement par God l'esprit. Is talking Il communique spirit. Par l'esprit. He communicates Il opère by spirit. Par l'esprit. He operates Il fait by toutes spirit. Choses par l'esprit. He does everything by spirit. Et c'est pas l'esprit qui juge God les pensées des hommes. That he judge Et l'esprit, c'est lui aussi sa parole. And the spirit is nous, tout ce que word. Nous devons faire, so nous devons do, le faire par son esprit. Connecté à son esprit. Demandez que son spirit. Esprit soit and connecté à nous, notre esprit. Spirit connected to our spirit. Le Seigneur veut que nos esprits the Lord want our quittent spirit, l'étape primaire, the primary l'étape step, embryonnaire, the primary l'étape step, d'enfant. The infancy Il faut que nous step. N'ayons plus des esprits faibles. Les esprits faibles. We won't be a weak spirit. Il faut que vos esprits soient grands. Your spirit should be great. Physiquement, on vous voit comme Physically, des petits enfants. We see you as a little child. Mais spirituellement, But il faut que vous soyez comme des géants. You should be like giants. Goliath a été vaincu par David Goliath parce que dans la chair, overcome by David because in Goliath flesh, était comme un géant. Was like Et a David giant. Était comme un bébé, But un enfant. Was like a baby, a small baby. Mais spirituellement, But spiritually, David était un géant. David was a giant. Et Goliath était un petit enfant. And Goliath was a small child. Et c'est ce qui a permis à And David de vaincre Goliath.
to win Goliath. Donc, il est en train de nous montrer par là que dans chaque situation, devant chaque chose, in situation, before everything, il faut que nous entrons en esprit. We should enter in spirit. Et il faut que nous voyons les choses. And we should see things comme n'étant rien devant like nous, nothing before n'ayant us. Aucune importance de nuit, like a useless pattern to n'ayant aucune force de détruire, like having any power to destroy. Si nous voulons réellement atteindre if le but, you want really to attend the goal, il faut que vous soyez de grands esprits. You should have a big spirit. Il faut que votre esprit, your spirit, étant transformé, be transformed. Si réellement vous avez cru en la parole, really you in the word, étant renouvelé par la parole, be renewed by the word, grandisse, grow, grandisse davantage, grow more, grandisse davantage, grow more and more, et atteint la dimension la and plus élevée. Attend the high level. C'est ce que plusieurs religions prônent. Many religions are c'est ce saying. Que plusieurs religions veulent it atteindre. What many religions l'état want de perfection. The state of perfection. Entre l'esprit between the spirit et le corps. And the body. Comment dominer le corps, how ses désirs, ses passions, the body pour que l'esprit règne. For the spirit reign. Mais Dieu nous a donné ces but choses God gratuitement us that par la foi. Freely, through faith. Par notre foi, nous avons through reçu faith, ces choses de la part de Dieu. Those things from God. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger why les éléments qui vont permettre à notre foi de grandir davantage. That will permit our faith to grow. Tu as la parole de Dieu. You have word of God. C'est très nécessaire. It is very necessary. Il faut que la prière l'accompagne. The prayer should follow. La parole de Dieu, c'est Dieu qui the te word, l'accorde. It is God gratuitement. To you il dit, moi, je te donne ma parole. He said that I give maintenant, you my là, words. Tu dois t'appuyer now sur cette parole should, que je t'ai donnée. You should take place or have confidence pour parler that avec moi, pour I communiquer avec moi. To communicate with me. Il y a aussi un autre moyen there is another de communication avec Dieu of communication with God. Qui s'opère lorsque nous méditons that sa parole. When we are meditating his lorsque word. Nous lisons sa parole, when we are reading his word, nous prenons Dieu comme étant dans, les, dans le livre que nous lisons, like étant dans la Bible. The book. We are reading. Et en lisant, like he's in the Bible. Nous croyons, nous when avons la foi reading, que Dieu nous parle directement. That God is talking to us directly. Et nous nous posons des questions and we ask us dont les réponses se trouvent encore dans sa parole qui est la Bible et que nous lisons. Found on the word, his word c'est we are pourquoi reading. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, God tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Way, but man cannot c'est nous qui ne prenons pas account. Garde, sinon tous les jours Dieu nous parle. Man don't pay attention. If not, God daily il nous parle par son esprit. Through his spirit. Parce qu'il a fait de nous des because esprits. He make us spirits. Nous sommes des esprits. We are spirits. Et nous avons un commencement. A beginning, et l'esprit qui nous a amenés dans ce monde veut être us, tout le temps en communion avec always nous. Be in communion with us. C'est quand nos esprits sont attentionnés à autre chose our spirit are on other things, que nous commençons à nous détourner de la foi. Start turning back from faith. Donc, à partir d'aujourd'hui, so from today, il faut que tu demandes au Seigneur you should ask de the Lord grandir ton esprit. To make your spirit mais pour grow. Que ton esprit grandisse, your spirit be grow, il faut que tu t'attaches you should attach à Dieu. Et il faut que tu t'attaches and you should attach à l'entité que tu adores. To the entity you are worshiping. L'entité qui the est au-dessus de toi et que tu adores. Above you and you worship. Ça, c'est les principes spirituels. These are spiritual principles. Donc, pour grandir spirituellement to en tant que chrétien, as Christian, il faut que ton esprit s'attache à l'esprit de Dieu. Should relate to the spirit of God. C'est ce que les charlatans font. That is what c'est ce que les musulmans font. Muslims et ils prient à longueur de journée. C'est ce que les bouddhistes font. All day long. Et ils sont tout le temps dans la méditation, dans la méditation, meditation, dans la méditation. Meditation. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens. Non, dans 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache à l'Esprit de Dieu est avec lui un seul esprit. God.
is one spirit with him. Un seul esprit. One spirit with him. Donc si tu t'attaches à l'esprit de so Dieu, if you tie to si tu t'accroches à l'esprit de Dieu, if you tu deviens un seul esprit. God, you become one et là, spirit. La communication entre and Dieu et toi devient simple, devient facile, devient fluide. Easy, free, et en ce moment, tu n'auras plus à souffrir. You will suffer not. Tu ne vas plus demander assez de foi parce que la foi est là. La foi est présente. La foi est palpable. Tu touches les choses de manière palpable. Tu vois les choses s'accomplir. Alléluia. Un autre élément qui contribue à ce que notre foi grandisse davantage est le temps que nous passons dans l'adoration. Les moments que nous passons dans l'adoration. Comme je viens de le dire, l'adoration crée une atmosphère spirituelle entre Dieu et nous. Et par cette atmosphère, Dieu descend. Et il est là, nous l'adorons. Et par cette adoration, par cette nous communions ensemble, pas seulement par des paroles, mais une communion spirituelle. C'est comme un accord spirituel. Spiritual agreement. Nous communions ensemble, mais pas la parole. But, c'est une communion words. Spirituelle. It is a spiritual c'est des communion. Transferts qui se font spirituellement. There are those who are transferring celui qui, un nouveau croyant, the new believer, qui prend son temps à adorer Dieu pendant la journée, day, même pendant la nuit, even in night, va rester dans l'environnement he will say de Dieu. In God's environment. C'est comme l'atmosphère du ciel qui descend. Et il sera toujours accompagné down. Par cette atmosphère. Il sera toujours accompagné par l'Esprit de Dieu qui sera autour de lui. Parce que l'adoration fait descendre Dieu. Because worship makes God come from. Et lorsque Dieu descend, il descend aussi down, avec son esprit, il descend aussi spirit. Avec sa gloire. He come down with his et glory. Celui qui prend du temps d'adorer Dieu God, augmente sa foi envers Dieu parce God. Qu'il ressent la présence de Dieu. The presence of God. Donc, il croit que Dieu so existe vraiment. That God really exists. Parce qu'il adore ce Dieu. Because he worships that God. Ce Dieu en qui il a cru. That God in him he believed. Sans l'avoir vu. Without seeing parce him. Qu'il a entendu la prédication. Because he listened preaching. Ce Dieu à qui il parle. The God in, to him, to whom he speaks. Sans forcément entendre en retour sa voix audiblement. Listening his voice. Mais par l'adoration. Loudly. Il, but by worship. Par l'adoration, by il worship, communique avec lui. Through worship, he communicates with him. Par l'adoration, il relie son esprit avec he son esprit. Relates his spirit with et him. Il se crée un lien and spirituel. It is creates a spiritual link. Alléluia. Praise the Lord. Celui qui adore Dieu the one who worships vit God dans la présence de Dieu. Is living in God's presence. C'est comme s'il transporte tout it's le like ciel. A, il transporte le mouvement angélique. Il transporte les séraphins. Il transporte toute la gloire du ciel dans sa chambre, dans sa maison, sur la terre. Et il se trouve à genoux devant le trône. In front of God. En ce moment, est-ce que celui-là a besoin de voir encore avant de croire? Is that person need to see before est-ce qu'il a besoin believing? De voir encore avant de croire? Is he need to il n'a see plus besoin forcément believing? De voir avant he'll de croire. Not obligatory parce need qu'il to see est before dans believing. La présence. Because he is in the presence. Parce qu'il se trouve dans la présence. He is in the presence. Parce qu'il marche dans la présence. Because he's walking in the presence. Non seulement il a reçu la base not qui est la parole. He received the base, that is the word, la parole qui dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à I'll la fin du monde. Always, till the end of the world. Mais il communique avec cette parole. But he's communicating with that et cela word. N'est pas fini. That is not all. Maintenant il adore Dieu. Now he worships God. Et en adorant Dieu, il vit dans sa présence. Il vit dans son atmosphère. By worshiping
keeping God, he's living in his atmosphere. Celui-là, sa foi, this one, his faith, n'est pas discutable. Is, la foi naît, la foi est là et elle se démontre, elle se voit. The faith is demonstrating, is seen. Donc, développer des moments intimes dans so, l'adoration avec le Seigneur. C'est très important. Et c'est, vous recevez plus like that you dans l'adoration que même dans la prière. In worship, more than in prayer. Parce que vous ne passez pas votre temps à parler, à crier, because comme Jésus speak, qui a dit, time, ne parlez pas, ne multipliez pas beaucoup de paroles comme les pharisiens, comme les publicains. Like publican, mais tu adores. But you are worshiping. Celui qui demande, the one who asks, entre celui qui demande among the one who is et asking, celui qui éloge ou celui qui fait des éloges ou celui praising, qui adore, the one who is worshiping, il y a une grande différence. There is a great difference. Parce que tu ne fais que demander, Seigneur, you are just asking, fais-moi Lord, ça. Seigneur, je veux avoir ceci. Seigneur, je veux ceci. This, I want to do this. Mais l'autre, lui ne fait que adorer. But the other one is still worshiping. Lui, il a oublié ses problèmes. He forsake his il a laissé tout ce qu'il veut avoir. He leave all he want to mais have. Il a visé celui qui est la providence. But he see, he celui qui est la source de ce qu'il demande. The provider. Celui qui peut he pourvoir et qui peut ne pas pourvoir. The one who can provide or not. Et il s'attache à lui. And he learned to et il commence à lui dire, je sais he que tu peux ça. Je sais que tu fais ceci. Tu as fait pour celui-là. Je sais que tu feras pour moi. Parce que tu es digne. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu peux tout. Entre celui-là et celui qui ne fait que demander, qui aura plus, qui va recevoir plus. C'est bien celui qui it adore. The one who worships. C'est celui qui connaît the one le who maître. Knows the master. Les trois niveaux sont très importants. The three levels are very important. Il n'y a rien à négliger. There are nothing to neglect. Alléluia. Praise the Lord. Et il y a aussi l'accomplissement des promesses de Dieu qui contribue à agrandir notre foi. Also, fulfill of God's promise. Contribute to make grow our faith. Lorsque les promesses que Dieu nous a faites s'accomplissent dans notre vie, fulfill in our lives, notre foi commence à grandir. Our faith starts increasing. Là, on commence à croire encore. There we start believing. La manière de croire commence à changer. The way to believe starts changing. Nous commençons à croire we start davantage more. Parce qu'il a dit et because il a fait. He said and et nous he avons did. Vu and we see it. Notre foi devient encore our plus grande. Grow. Et les expériences aussi. And experiences also. Les expériences que nous faisons avec Dieu we do with God. Sont les éléments qui there are elements font que la foi grandisse that le plus. Make our faith grow more. Tu as eu des expériences avec have Dieu. Experiences with God. Tu n'as pas seulement entendu parler de lui. You listen, you just mais listen tu as not, vu. But you see. Tes oreilles ont entendu. Your ears listened. Mais tes yeux ont vu. And also your eyes see. Tu as entendu qu'il guérit. You listen that mais he tes healed. Yeux voient but réellement qu'il guérit. Really see that he really healed. Et ta vie en est l'exemple ou and le témoignage. Your life is an example or witness. Là, ta foi grandit like encore that, davantage. Your faith grow more. Mais pour arriver à ce niveau, to arrive on that il faut level, respecter toutes les autres étapes. You should respect the others la parole de Dieu pour fondement, the word of God, like la prière comme moyen de communication prayer, like avec means Dieu, of communication with God, l'adoration worship, comme communion avec like Dieu, communion with God, et maintenant, les expériences now, qui se font par l'accomplissement des promesses de Dieu. By fulfill of God's promise. Et ça, moi, je donne un petit témoignage, and let me give a un petit exemple. Testimony, nous, quand example, nous avons commencé l'œuvre de Dieu, we, when we start God work, ce qui nous a le plus boosté what et qui a rendu notre foi encore plus inébranlable, and make our faith unshakable more, c'est lorsque nous pouvons nous tenir ici is when we can stay here, et prier pour des gens qui sont à l'extérieur and pray for those who are abroad, et dont les fuseaux horaires sont totalement différents
And we are many, we are very far. Et ils reçoivent la guérison de très loin. From far, et nous please. Voyons Dieu agir à travers les écrans. God acting through screen. Ça augmentait notre foi. Et ça nous a permis de savoir que le chemin que nous avons emprunté n'est pas un mauvais chemin, mais nous sommes sur le chemin de la vérité. La première fois que nous avons prié pour un frère, où ce n'était même pas une prière de délivrance ni une prière de guérison. It was not a prayer of deliverance or la première fois même où on a fait une prière en ligne. The first time we did a prayer online. Et le frère se trouve au Congo. The brother was in Congo. Et on lui a parlé de Jésus. And we spoke about Jesus to him. Et la nuit même, le docteur Silas lui avait écrit At Jésus night, t'aime. Dr. Silas wrote him Jesus loved. C'était un rastaman et il ne croyait pas, il disait que Dieu n'a pas besoin de lui. He believed not, saying that et que God lui il a trop péché, il a déjà trop fait que Dieu ne peut pas l'aimer. And God cannot forgive him. Le frère va se coucher. The brother slept. Et dans son songe, and in his dream, je rappelle qu'il est un musicien. I remember that he's dans son a songe, musician. Il se in trouve en train dream, de jouer à la guitare. He saw him playing guitar. Très désespéré. Very. Et dans le songe, il y avait le noir tout autour. And in the dream, et there was darkness il voit une around. Lumière qui commence à apparaître. And he was seeing a light ce qu'il n'a jamais vécu dans sa vie. Appearing. Et la lumière apparaissait et se and grandissait. Was appearing, growing. Et il voit une main qui écrit Jésus t'aime dans la lumière. A hand that is written Jesus love you in the light. Donc la parole qui a été semée so le soir that was sown at night, a porté du fruit même dans le sommeil, dans le songe. Fruit even in the dream. Cela montre que son esprit a été that touché par cette his parole. Spirit was taught by that word. Il a reçu cette parole. He received that c'est word. Ça l'effet de la parole. That is the effect il y a une of puissance the word. Dans la parole. There is a power in the word. Pourquoi votre foi doit être bâtie sur la reason parole why your faith should be ce qu'il a entendu on the word. Il voit cela aussi dans son songe. C'est là, le matin, il nous a appelés. There in the morning he called us. Et il a dit qu'il croit maintenant que Jésus l'aime. He believe now that Jesus loves him. Qu'il croit que Jésus l'aime. He believe that Jesus loves him. Et c'est comme ça que nous avons commencé and à prier like juste that we start praying après avoir parlé, on lui a prêché speaking, beaucoup de choses qu'il ignorait many things he pour le remettre entre les mains du Seigneur to post him into God's en même temps. Le démon qui dominait sur sa like vie that, a commencé à se manifester. Life start manifesting. Et c'est là pour la première fois first en ligne moment nous avons life, fait une prière de délivrance. We make a prayer of deliverance. Et le Seigneur l'a libéré. And the Lord set et après nous a envoyé les images after that, he sent de sa transformation. Image of his transformation. C'est là notre foi a commencé par prendre de l'ampleur. On like a vu that, que ce n'est pas de l'amusement. Faith starts increasing. We see that it is not on a vu que joking. Nous ne sommes pas des jeunes, nous ne sommes pas des enfants. We see that we are not just a child. Dans la chair, nous nous considérons comme in étant flesh, des enfants. We consider us like children. Mais en réalité, en esprit, in reality, in spirit, nous sommes des grands hommes. We are old men. C'est pourquoi je vous dis que vous êtes des, de grands esprits. That you are great un chrétien est un grand a esprit. Christian is a great spirit. Un chrétien est une domination. A Christian is a domination. Un chrétien est une autorité. A Christian is an authority. S'il croit en la parole he believes in the words, et s'il développe une bonne relation avec Dieu, he develops a good relationship son esprit with God, ne sera plus petit. His spirit won't be son small. Esprit sera changé. His quand nous parlons de la régénération, de la transformation, du renouvellement de l'intelligence, nous parlons de l'accroissement de l'esprit. We are talking about the increasing of the spirit. Et arrivé à ce moment, and arriving on that Dieu level, commence par opérer de grandes God choses. Start operating great things. Et tes expériences commencent à se multiplier. And your experience ta foi commence à grandir. Increasing. Ta your foi commence à augmenter increasing. De jour en jour. Day after day. Et si tu arrives à garder la constance if you keep that level, dans ta foi, in your faith, tu verras que de jour en jour, see that Dieu fera des exploits day, avec toi. You will make et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous.
Chacun de vous doit avoir un standard élevé dans sa marche avec Jésus. Chacun de vous doit avoir un standard élevé dans sa foi avec Jésus. Si toute l'Église, tous les enfants de Dieu ont une foi aussi solide, imaginez ce qui va se passer. Est-ce que le monde des ténèbres peut encore s'infiltrer dans l'Église? Est-ce qu'il peut y avoir encore de division dans l'Église? Est-ce que nous aurons encore le temps pour les médisances dans l'Église? Est-ce qu'on aura encore le temps pour les choses inutiles dans l'Église? Est-ce qu'on aura encore le temps pour comment faire pour détourner, pour détruire les frères? Est-ce qu'on aura encore ce temps? Est-ce qu'on aura encore le temps de la calomnie? Est-ce qu'on aura encore ce temps? Non. C'est parce que cela fait défaut. Et que beaucoup, parce qu'ils ont fait, ils n'ont pas encore connu la foi, la véritable foi, ils n'ont pas encore fait des expériences avec Dieu parce qu'ils n'ont pas obéi à ces différentes étapes de la foi. Ils ne savent plus quoi faire après avoir échoué. Qu'ils se mettent à se lever contre les autres. Parce qu'il n'a plus de travail à faire. Il n'a plus de repères. Il n'a plus de repis. Il ne sait plus où poser sa tête. Il a tout perdu. Maintenant, comment il va faire? Retourner dans le monde, il y aura des moqueurs, il y aura des moqueries. Alors, il va rester dans l'Église, mais il sera un destructeur dans l'Église. Il va rester dans l'Église, mais il ne servira plus à rien dans l'Église. Il va rester dans l'Église, mais subtilement, il sera là pour détourner les âmes, pour diviser l'Église et pour disperser les brebis. Soyez concentrés et faites beaucoup attention pour ne pas perdre votre foi. And pay attention for not lose your faith. Pour ne pas perdre votre foi. For not lose your faith. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. La foi nous exige aussi beaucoup de choses. Faith also asks us many things. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus. You believe in God, you believe La in foi Jesus. T'exige faith asks you à abandonner toi-même tes propres penchants. To abandon yourself thoughts. Abandonner toi-même tes propres désirs. To abandon yourself desires. À renoncer à toi-même et à tout ce que tu désires. To yourself and all you desire. Et qui n'est pas de la volonté de Dieu. And are not in God's will. Il faut noter ça. Tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, mais qui va contre ce que Dieu veut. Against what God wants. La foi exige à un renoncement face faith à ces choses. Has to renounce those things. Jésus l'a dit à plusieurs reprises. Jesus told it many times. Il dit, celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même. To follow him should renounce to himself. Alléluia. La foi nous appelle aussi faith also asks us à obéir en toutes circonstances to obey in all circumstances et en toutes choses à la parole de and Dieu. In everything to the word of Sans God. Cette parole, nous ne pouvons rien. Without that word, we can know C'est pourquoi nous devons être tous les jours obéissants envers la parole de Dieu, envers ce que la parole de Dieu nous dit. Toward what the word of God tells us. Alléluia. Et la foi nous demande aussi à persévérer dans la marche. And faith asks us also to persevere in the walking. À persévérer dans la marche. Persevere in the walking. Beaucoup de serviteurs dans la Bible Many servants ont fait in the Bible, preuve de foi. They show faith. Et par leur renoncement, and by their renunciation, par leur obéissance, by their obedience, et par leur persévérance, by their perseverance, ils ont eu des privilèges auprès de Dieu. They had opportunity from God. Ils ont eu beaucoup de choses avec Dieu. They had many things with God. Ils ont
étaient comme des, ils ont vécu des choses qui les ont amenés à éprouver beaucoup de sacrifices. They live in that bring them to make many sacrifices. Avant d'arriver au sommet. Before arriving in the high level. Nous avons plusieurs cas. Je vais juste citer, vous allez prendre l'autre, vous allez lire après. Nous avons le cas d'Abraham dans Genèse 22, 1 à 12. Abraham à qui Dieu a dit de sacrifier son fils. Par la foi, il a obéi. Through faith, he obeyed. Mais Dieu l'a gradué. But God rewarded Ruth la Moabite. Ruth, from dans Ruth 1, Moab, le verset 15. In Ruth 1, verse 15. Qui a décidé de suivre Naomi, sa belle-mère, et de servir l'Éternel, son Dieu, jusqu'à la fin de ses jours. Naomi, her mother-in-law, and to nous avons aussi le cas de Daniel. À Babylone. We have the case of Daniel in Babylon. Nous avons le cas de ses frères Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach and Abednego. Vous pouvez trouver ça dans Daniel 3, 12. In Daniel 3, verse 12. Dans Daniel 6, 10. In Daniel 6, verse 10. Et le verset 16. And verse 16. Et le verset 22. And verse 22. Et aussi le verset 23. Also verse 23. Vous pouvez trouver encore beaucoup d'autres cas, comme le cas de Pierre, like the one of Peter, le cas de Matthieu, the one of Matthew, qui ont abandonné leur travail, who abandoned their work, tout ce qu'ils faisaient pour suivre all Jésus. They were doing to follow Jesus. Vous avez aussi le cas de Étienne, the case of Étienne, qui a été lapidé who were jusqu'à la mort stoned till et death, qui a fait preuve de sa foi. And he showed his faith. Dans Actes 7, le verset 58, seven, nous avons beaucoup de témoignages. We have many testimonies. Et si vous lisez même le livre de Hébreux 11, if tout you le read livre, the book of Hebrew 11, vous allez voir le témoignage book, des saints, le témoignage des patriarches, le témoignage of saints, des anciens. Testimony of anciens. Enoch qui a servi Dieu, Enoch who qui a été God, avec Dieu, qui a marché avec who Dieu. With God. Moïse, son histoire. Moses, his history. Et tous les autres, Noé, son histoire. All the others, Noah, his history. Et tout ce que Dieu a fait en retour. And all God pour les honorer. To honor them. Alléluia. Maintenant, now, les choses qui font naufrage à la foi. Think that drown faith. Nous avons déjà parlé, we talk on a about, survolé un peu ces choses yes, lorsque nous étions en train de things, parler des éléments qui grandissent notre foi. When we are talking about elements that grow our faith. Les choses qui font naufrage things à la foi. That drown faith. Alléluia. Praise the Lord. La parole de Dieu est une semence. The word of God is a seed. N'est-ce pas? Isn't it? Et quand quelqu'un croit, when somebody believes, c'est parce qu'il a reçu une parole. It's because he received a word. Et il s'appuie sur cette parole. And he takes il marche avec cette parole. And work with that word. Et il grandit he par cette parole. Grow with that et word. Avec cette parole. And with that word. Maintenant, lorsqu'arrivé à un moment, now, arriving at a moment, il commence par prêter attention à une autre parole. He starting listening another word. Il commence par écouter une autre parole. He start listening il commence par word. Suivre d'autres enseignements. He start following another teaching. Des enseignements erronés. Mistaken teaching. Alors, il est en train de déconstruire sa foi. Sa foi qu'il avait déjà bâtie par la parole qu'il a reçue au départ. Cette foi commence à descendre. Donc vous devez faire attention à tout enseignement qui vient contredire la base doctrinale que vous aviez reçue. Tout the enseignement base, the good base you receive, qui vient contredire les éléments de votre foi. Goes against element of your vous faith. Devez considérer anathème tous ces enseignements-là. You should consider anathème those elements. Tous ces enseignements que all vous allez recevoir you will receive, ou que vous allez apprendre ailleurs you will hear, et qui contredit les éléments de la sainte doctrine.
elements of sound doctrine sont anathèmes. They are anathèmes. On ne joue pas avec ça. We play not with that. Si vous n'êtes pas un grand esprit, if you are not a great et vous vous mettrez à écouter ces choses, you start listening ou si vous n'êtes pas stable dans la foi, if you are not et vous vous mettez à écouter ces choses, and start listening those things, elles vont vous détruire. They will harm you. Et du jour au lendemain, vous allez vous and retrouver after that you will dans find ces choses. In those things. Et votre vie and your life va changer. Will change, mais pas en bien, mais en malheur. Badly, mais en mal. Badly. Donc, il faut faire attention so à la parole que vous écoutez. Il faut faire attention à ce que vous recevez. Pay attention to what you receive. Si tu reçois un enseignement qui if te you dit receive a teaching that tells que Jésus n'est plus Dieu, that Jesus is no longer God. En même temps, ce que tu dois dire, c'est soit at anathème. The same time, say, be anathème. Mais si tu tolères, but if you accept, et tu dis non, je vais écouter say, pour voir les arguments to see qu'ils ont utilisés argument pour savoir que Jésus n'est pas to Dieu, see, to le see pourquoi that Jésus n'est pas God, Dieu. Why Jesus is not c'est bien. God. Tu vas commencer. Yes, we will start. Tu as su le pourquoi Jésus n'est pas Dieu. And you know mais that tu vas demander à savoir comment Jesus Jésus n'est pas God, Dieu. But will tu as fini de savoir comment Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, tu vas commencer à remettre en cause tout ce que tu avais déjà appris after sur la divinité de Jésus. Listen, you will start adopting all you listen on the divinity of Jesus. Il faut beaucoup faire attention. You should pay et il faut aussi attention. Beaucoup faire attention. You should also pay attention. Jésus a dit Jesus says, dans Matthieu, dans Jean 15, in John 15 il dit he comment says, vous, voici comment vous allez reconnaître how you will recognize les loups qui viennent dans la bergerie ou fox, les mercenaires qui viennent dans la bergerie. That come between the sheep. Ils viennent en habit ou en peau d'agneau. Close, mais like au fond, ce sont des lamb, loups ravisseurs. But there are fox. Satan se déguise aussi comme un ange de lumière. Satan, clothed like Satan était avec Dieu. An angel of light. Et il connaît bien Dieu. And he knows really God. Et il sait comment se déguiser. He knows how to clothe. Alors quand Satan viendra vers toi, when Satan will come to you, pour te détourner, to il ne viendra pas avec les cornes. To put you out from the way, he will not come with cornes. Il ne viendra pas avec l'image de quelqu'un que tu as déjà classé an image of somebody, comme étant un faux homme de Dieu ou comme étant un faux serviteur de Dieu. Man of God. Il ne viendra pas en portant l'habit d'un prêtre catholique. He won't come in a cloth il ne viendra pas a Catholic priest. En habit d'un charlatan pour he venir te séduire. Like sinon là on ne parlera plus de séduction. If like that we won't come, parce que là où il y a séduction, because where there is il y a aussi manipulation. There's also manipulation. Il y a cacheterie. There is blaming. Donc Satan viendra so Satan will come dans la peau que toi tu veux, in the flesh you la want, peau que tu veux voir. You want to see. Il viendra pour te manipuler. He will come to manipulate au you. Début, il va te présenter in de bonnes choses. He will present you good au things. Début, il va te montrer, il va prouver tout ce que tu avais reçu. He will show you au début, you il va dire oui, tu es dans la vérité. He will say, yes, you are in the truth. C'est comme ça Satan travaille. It is like that, au début, il va dire working. Oui, c'est toi qui es dans la vérité. He will show you that you are au in début, the il va te donner de bons enseignements. He will give you good teaching. Mais qu'est-ce qu'il va faire finalement? What he will do finally. De façon subtile, il va commencer à creuser. Il va commencer à envoyer des pics. Wisely, il va commencer à envoyer de faux enseignements. Sending bad teaching. Qui vont commencer à détruire that ton âme. Will destroy your c'est pourquoi sound. Vous devez faire attention à, aux chaînes que vous suivez sur YouTube ou à la télévision. Channel you follow. Au début, on YouTube, vous allez voir TV. Qu'ils présentent de bonnes in images. Ils ont see des témoignages qui sont là. Image, ils parlent de beaucoup de choses, des expériences qu'ils ont fait avec Dieu. Mais nous ne devons pas nous laisser but tromper par ces choses. Let us be troubled by those things. Chacun a son témoignage avec Dieu. Each has his testimony with God. Chacun a ses expériences avec Dieu. His experience with God. Et c'est d'ailleurs ces témoignages et ces expériences qui construisent ta foi. Testimony and experience that build your faith. Donc que personne ne vienne en habit d'agneau pour vous séduire par les témoignages. Dis de l'au-delà où Dieu m'a dit ceci, où Dieu m'a montré ceci. God tell me this or si that, tu bases ta foi sur ces choses, tu vas faire naufrage à la foi. Arrivé à un moment, tu vas tomber dans la foi. L'apôtre Paul l'a dit dans Colossiens 1, à partir du verset 16.
Il dit, ce sont des visions d'hommes. He said that there are men, des révélations d'hommes. There are revelations of men. Ne les écoutez pas. Hear not. Pendant qu'ils s'appuient sur ces visions, ils s'appuient sur ces révélations when et ils formulent des doctrines pour vous séduire. About those visions and they build doctrine to seduce you. Si vous voulez avoir une foi solide, une foi inébranlable en Jésus-Christ, il faut que vous bâtissez votre vie sur sa parole. You should build your life on his word. C'est la parole qui forme votre vie. The word that build your life. Mais quand vous commencez à écouter autre chose, parce que parfois la soif, nous comprenons la soif, on veut apprendre encore, encore et encore. We are thirsty to know more. Mais on ne sait pas que Dieu veut but nous apprendre dans le lieu secret. God want to teach us in secret. Et on va commencer à colmater les enseignements d'ici, de gauche à droite. On va commencer à suivre cette chaîne, places. On va suivre l'autre. We finalement, tu crées un embrouille spirituel dans ta mémoire. And you tu crées un trouble dans ta tête. Tu n'arrives plus à retenir quelque chose. Tu ne comprends plus rien. Alors, il faut faire attention. Il faut que vous fassiez attention aux vents de doctrine qui viennent en ce moment. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin. Et nous ne cessons pas de le dire. Le diable enverra encore plusieurs pour essayer de nous séduire, pour essayer de détourner l'église, pour essayer de détourner l'église. Mais c'est ceux-là qui ont appris à être inébranlable par la parole de Dieu qui peuvent subsister à cela. L'église dans le monde entier est soumise à cela actuellement. Avant que le réveil spirituel ne naisse, il faut que Satan utilise ses siens pour essayer d'étouffer le réveil. His own to trouble the revival. Afin, avant que le réveil spirituel before ne commence à œuvrer, the spiritual revival il faut que Satan fasse tout pour détruire. Satan will make all effort to harm. Donc, il faut faire attention. So we pour d'autres, c'est attention à l'évangélisation, ils vont for vous capturer. Others, it is in evangelization faith they will capture you. Alléluia. Lisez-moi Matthieu 13, 24. On va aller un peu plus vite. Let's read Matthew 13, verse 24. We'll go quickly. Matthieu 13. Matthew 13. Matthieu 13, le verset 24. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Il leur proposa une autre parabole. Oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mm-hmm. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient amen, donc? » Amen. Amen. Il dit, he says, pendant mais pendant que les gens dormaient, when people were sleeping, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. And sowed wheat among the wheat and went away. Pendant que le maître dormait, pendant la nuit, l'ennemi vient et the il sème. C'est le travail du diable. This is the work of the devil. Lorsque tu seras en train de dormir, when you will be sleeping, c'est en ce moment Satan viendra pour semer dans in ta that vie. Time, will come to c'est en ce moment il va trouver l'occasion même de détruire, de détourner ton attention. To destroy, c'est pourquoi nous demandons qu'il n'y a plus de sommeil. No lorsque more. Tu vas vouloir te réveiller when ou au moment où tu vas te réveiller, awake, il a déjà semé. He sowed. Et ce qui a été semé and doit pousser. Ce qui a été semé doit produire de fruits. Quelle que soit la nature du fruit que whatever cela va produire, kind of fruit it will bear, que ce soit un bon fruit ou un mauvais fruit, la semence est déjà semée. The seed is sowed. Donc il faut faire attention à so la semence que vous recevez actuellement. The seed you receive now. Les temps sont finis. Times are
finished. Jésus dit, Jesus says, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Will he find faith again? Est-ce qu'il trouvera encore des églises qui sont encore dans la sainte doctrine? Est-ce qu'il trouvera des églises qui sont encore dans la vérité? Will he find church in the truth? Est-ce qu'il trouvera encore des personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal dans cette génération où nous sommes? Who not bowed knees before Baal? Est-ce qu'il trouvera encore des chrétiens fidèles jusqu'à la mort? Est-ce que lorsque Jésus va venir aujourd'hui, today, te trouvera-t-il encore dans la foi? Will he find you in faith? Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Will he find you in faith? C'est la foi qui nous maintient jusqu'au retour de Jésus. Keep us till the return of sans Jesus. La foi, on ne peut jamais rester ferme. Faith, we cannot stay firm. Ce n'est pas la foi que nous savons que lorsqu'il reviendra, nous pouvons partir avec lui. Mais si toi tu n'as pas la foi, et la foi en quoi? Si tu n'as pas la foi en la parole de Dieu, et que tu as la foi en plusieurs autres choses, c'est grave pour toi. Celui qui écoute la voix du séducteur se trompe lui-même. The voice of the one who il se séduit lui-même et se détruit lui-même. Himself. Alléluia. Praise the Lord. Lisons le livre de Jean 10. Let's read the book of John 10. Jean 10. John 10. Verset 11. Verse 11. Jean 10, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Alléluia. Il dit, je suis le bon berger. I am the good shepherd. Le bon berger donne sa vie the pour ses brebis. Lays down his life for the sheep. Mais le mercenaire the hired qui n'est pas le berger is not the shepherd, et à qui n'appartiennent pas les brebis voit le loup, so mais il abandonne les brebis, il prend sa fuite coming, et le loup vient les ravir. He abandoned the sheep and he ran le away. Mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger. I am the good shepherd. Les brebis, je connais mes brebis, I et elles me connaissent. Sheep and they know me. Et elles entendent ma voix. And they listen to my voice. Elles entendent ma they voix. Listen to my voice. Faites attention à la voix des mercenaires. Pay attention to the voice. Ils sont très nombreux, ces mercenaires. They are many those hired. Ils viendront vous dire que vous n'êtes pas dans la vérité. That you are not in the truth. Ils viendront vous dire, oh, toi tu es dans une secte. You are in vous êtes dans une secte. Sect. Vous n'êtes pas dans la vérité. You are not in the truth. Ces gens-là ne prêchent pas la vérité. Those persons are not ils viendront vous dire, ils sont là pour they ton argent. To they are there to your money. Ils sont là pour votre argent. They are there to your money. Ils viendront vous dire they beaucoup de choses. Tell you many things. Ils sont là pour la cupidité. They are there for cupidity. Ils sont là pour la gloire. They are there for the glory. Ils sont là pour se faire connaître. They are here to let them be known. Mais nous, nous savons but ce we, que we nous cherchons. Know what we are searching. Et nous savons le but we que nous voulons atteindre. Goal we want to attain. Et le but que nous voulons atteindre, c'est que chacun de vous entre un jour dans le royaume des cieux. To enter the kingdom c'est of que heaven. Nous tous, nous puissions entrer dans le royaume des cieux. We enter the kingdom of heaven. Et si le Seigneur permet and if the Lord permits, qu'il y ait une grande foule that there is qui se mobilise, a great crowd si le Seigneur permet if the Lord permits, qu'il y ait une multitude de personnes there be a multitude qui se mobilisent, of persons est-ce that mobilize, un homme peut se lever contre cela can a mind go against that, et viendra te dire and come to tell you, que tu t'es trompé de chemin. That you betray away, viendra te dire come to tell you, que tu as trouvé un mauvais chemin et que tu es sur un mauvais chemin. You find a bad way and you are on et que tu as perdu la foi. And that you lose faith, et que Dieu n'est plus avec toi. And that God is no longer with you. Un homme peut-il venir t'accuser? Can a man accuse you? La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Of God? Qui peut t'accuser toi? Who can accuse you? Personne ne peut t'accuser. No one can accuse you.
Alors ne laisse personne venir t'accuser. Ne laisse personne venir troubler ta foi. Let nobody trouble your faith. Le mercenaire, il n'a d'égard pour personne. Fear nobody. Le mercenaire se fait passer à première vue comme le berger. Mais en réalité, il n'est pas le berger. Il est venu pour troubler la foi de la bergerie. Il est venu pour troubler la foi des brebis. Et il s'en va pour disperser les brebis. Donc quand tu viens ici et tu écoutes les enseignements de la Sainte Doctrine, pour que ta foi soit solide, et tu sors et tu vas encore écouter d'autres enseignements et tu commences à les pratiquer, il faut savoir que tu es en train d'écouter la voix du mercenaire. Et ce mercenaire, lui, n'a pas de pitié pour toi. Il n'aura aucune pitié pour toi. Au début, il va te montrer qu'il t'aime parce qu'il a besoin de toi. Mais finalement, il va te montrer qu'en réalité, il n'est pas le berger. Et c'est en ce moment, avec des regrets, tu vas commencer à chercher. Mais en réalité, le troupeau n'est plus là. Le troupeau est déjà parti. Faites attention à qui vous remettez votre vie, à qui vous écoutez, à qui vous suivez. Faites beaucoup attention. Avant de cliquer j'aime à un message sur Facebook, à un message sur Internet, sur YouTube, il faut bien écouter. Il faut bien lire avant de cliquer j'aime. Sinon, quand tu vas cliquer j'aime, tu vas participer aux faux enseignements. Tu vas participer à ce qui n'est pas bien. Donc, il faut que chacun sache garder sa foi. Nous sommes au temps de la fin. Le diable fait tout pour détruire. Les églises ne sont plus dans la vérité aujourd'hui. Nous allons nous réunir. Jésus va nous sortir de ces églises. Et dans la même église où nous sommes trouvés dans la vérité, on va commencer encore à voir les mauvais caractères du monde. On va commencer par dire qu'ils ont perdu la foi. Ils n'ont plus la foi. Pour que cela se dise, cela dépendra de toi, de chacun. Si chacun garde sa foi, alors l'église sera gardée. Mais si chacun abandonne sa foi, de même toute l'église sera exposée. Alors sache que le bien-être de l'église passera par toi et seulement par toi. Si chacun se dit ça, l'église sera toujours forte et indivisible. One and indivisible. Tu es brebis dans la bergerie. You are sheep. Et tu sors pour aller écouter la voix d'un autre mercenaire. Si tu sors de cette bergerie pour écouter une autre voix, va rester avec cette voix. Go to stay with that voice. Ne reviens pas dans la bergerie. Return not pour semer le trouble et pour détruire le reste du troupeau. Si tu es de la bergerie et que tu as écouté la voix d'un mercenaire qui commence à détourner ta foi, suis-le et ne viens pas détruire ou détourner l'attention du reste du troupeau. Ce que je suis en train de dire, c'est très important. What I am saying is very important. Alors que chacun fasse attention. Each pay attention. Nous traversons des moments difficiles. Difficult. L'église de Dieu en général Church traverse des moments difficiles. Are going through difficult. Et vous n'êtes pas épargné. And you are si l'église se porte bien, c'est pour notre bien. Si l'église se porte mal, c'est pour notre mal. It is for our good, but if it is in bad shape, alléluia. For our bad. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Pour finir, je to vais finish, demander I'm going to ask que vous me lisez le livre de Timothée 1, 13, 14. The book of 2 Timothy 1, 13 et 14.
Après, vous allez me lire 1 Timothée 1. After 1 Timothy 1. 1 Timothée. 1 Timothée 1, 19. 1 Timothy 1, verse 19. Et 20. Et après, and 20, Romains. And after that, et nous allons finir. And we'll finish. Mm-hmm. 2 Timothée 1, verset 13. Mm-hmm. Je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Retenez quoi? Les modèles des saintes paroles que vous avez reçues de nous. Keep as the pattern of sound teaching you receive from us. Je parle à toutes les églises, Jésus revient. I'm talking to all churches. Retenez le modèle keep de toutes les saintes paroles de Dieu que vous avez appris de nous, of sound teaching you, que nous vous avons transmis par la grâce de Dieu. That we transmit. Retenez par ces paroles God des modèles. Keep through those words. Attachez-vous à ces paroles. Attach to those words. Gardez et retenez ces paroles. Keep those words. Elles sont bien valables jusqu'aujourd'hui. They are available. Elles sont bien valables pour faire grandir votre foi. They are useful to grow your ces faith. Paroles sont là pour vous édifier, pour construire you, votre vie. To build your life. La parole que nous vous avons transmise est bien faite pour vous édifier, is good to edify you, pour vous instruire, to instruct pour you, vous corriger, to correct pour you, vous apprendre to teach you, et pour to vous préparer. And to prepare you. Continue. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Guard the good deposit. Par le Saint-Esprit. That was instructed to you. Qui habite en nous. Through the Holy Spirit. Le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite ses serviteurs. The good deposit that is in his servants. La portion du Saint-Esprit que nous avons pu vous transmettre. Portion of Holy Spirit we transmitted to gardez you ce bon dépôt. Keep that good deposit. La portion de l'Esprit the que nous vous avons donné. Of the Spirit gardez-le jusqu'à maintenant. It till now. Et gardez-le jusqu'à toujours. And keep it till ever. Ce dépôt vous servira. This deposit will mais si quelqu'un se détourne, but if somebody il le fait pour sa perte. He do it for his, écoutez encore ceci dans 1 Timothée 1, 19. Listen in 1 Timothy 1, verse 19. 1 Timothée 1, verset 19. En gardant la foi oui et une bonne conscience, oui cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Plusieurs ont perdu la conscience. Many lose conscience. Et ils ont fait naufrage à la foi. In faith. Plusieurs ont fait déjà naufrage à la foi. Many drown mais in ils faith viendront vous séduire. But they come to seduce plusieurs you dans l'église ont déjà abandonné many la foi. Il y a longtemps qu'ils ont déjà abandonné. Since many times. Mais ils viendront vers toi they come to you pour te persuader d'être comme eux. Try to pour t'amener à être comme eux. Like them. Dis non à ces chances. Say no. Et ne fais pas naufrage à la foi. And don't drown with them. Ne tombe pas. Don't fall. Reste ferme. Stay firm. Ne sois pas du nombre de ces personnes-là. Don't be among those persons. Ces personnes qui ont fait naufrage à la foi. Those persons who drown in faith. Au lieu de rester calme, instead of being calm, ils veulent induire les autres aussi en erreur. They want to drive others in error. Ils veulent adopter la stratégie des boucs. They want to adopt a system of, of de ce nombre. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Tu vois? Do you see? Que j'ai livré à Satan. That I deliver to Satan. Oui, je te parle, tu te connais. Yes, I'm talking to you, you know yourself. Je parle à quelqu'un.
I am talking to somebody. Je vous parle en général, mais je parle à chacun. I am talking generally speaking, but I'm talking il dit quoi? De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Hyménos and Alexandre. Qui ont fait naufrage à la foi who et que j'ai livré à Satan and, afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. I give them to Satan for them to écoutez, learn to not blaspheme. Ne nous poussez pas à vous livrer à Satan. Don't push us to give you to Satan. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait naufrage à la foi. Because many persons et au lieu de rester de sortir de l'apostasie, and instead to go out from those, ils commencent à détourner les autres. They start putting out others. Certains nous poussent. Many push us. À les livrer à Satan comme l'apôtre Paul. To give us to Satan like et si ça continue, but if it's continue, ils seront livrés à Satan pour la destruction de la chair et pour Satan le salut de leur esprit. To destruction of the flesh and the salvation of their spirit. Alléluia. Faites attention, pay attention aux diffamations, to slander, aux calomnies. To slander. Ah, quelqu'un viendra te dire, somebody will come to tell tu you, vois ton frère. Do you see your brother? Il a fait ceci, il a fait ça. He do this or that. Il va lister toute une liste. He will list il va things. Créer un acte he de condamnation. An act of il va écrire des ordonnances contre lui. He will write ordonnances et toi aussi, tu vas commencer him. À le dénigrer. Yourself sans pour autant him. Without chercher réellement si le frère a fait ça. To know if the brother really do this. C'est des choses qui font naufrage à la foi commune de l'Église. Il y a la foi de l'Église. Il y a la foi de chaque chrétien. Et il y a la foi que Dieu nous donne, nous tous. Et la foi de l'Église est détruite lorsque la foi de chaque chrétien est atteinte. Ne soyez pas parmi les calomniateurs. Alléluia. Romains 1, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Oui. Étant remplis de toute espèce d'injustice, oui. De méchanceté, oui. De cupidité, oui. De malice. Plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, oui. De malignité. Oui. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle. Ils sont les hommes les pires de la terre. They are the worst men on the de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, oui. Déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils les font et ils approuvent they ceux qui les font. It, they agree those who are doing it. Tu es dans l'église et toi tu es rapporteur. You are in the and you are reporter. Dans la médisance, tu es rapporteur. In slander, you are reporter. Tu joues le rôle de rapporteur. You play the role of reporter. Tu as l'ingénierie en rapportage. You have a big diploma in slander or in reporter. Félicitations. Congratulations to you. Le jugement de Dieu est là. The judgment of God is present. C'est toi qui prends les éléments de l'église pour you aller rapporter à ceux du monde. To report to those of the world. Tu prends les scandales de l'église pour aller les éléments de l'église pour aller faire des scandales. Church element to make scandals. C'est pas ces choses que les scandales ont entré dans l'église. Those things, scandals enter the tous church. Les jours pas de scandale. C'est pas les rapporteurs. Les rapporteurs. Through reporters. Si vous ne vous repentez pas, Dieu lui-même viendra vous if chasser de l'église. Not, God himself will come to chase you from the church.
Si vous êtes vous-même égaré, ne venez pas égarer les autres qui sont là. Don't come to lose others who are present. Au moins, respectez un peu les gens. Respect persons. Et ne les égarez pas. And don't lose them. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise Alléluia. Praise Garde the Lord. Le bon dépôt de la foi. Keep a good deposit of Garde faith. Le bon dépôt de la foi. Keep a good deposit Selon le of modèle faith. Des saintes paroles que tu as appris de nous. Of sound que tu as reçu de nous. From us. Et n'écoute plus la voix And des missionnaires. Not hired voice. Alléluia. Praise the Gloire Lord. À Jésus. Acclamons Glory le Seigneur Jésus. Jesus. Nous sommes à la fin de notre enseignement. We are at the end of our teaching. Et ce que je veux pour And vous, I want to c'est que vous mettiez en application ces paroles put in application those words qui sont remplies de conseils et d'enseignements. Who are filled with Le Seigneur lui-même vous aidera the Lord himself will help you pour bâtir votre foi. To build your faith. Il ne vous abandonnera pas. He will not forsake Le Saint-Esprit you. Sera là. The Holy Spirit will be present. Mais faites attention, But pay attention à ce qui entre to what enter et à ce que vous-même vous sortez. You put out. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Shalom. Shalom to you.